On a stoppé le docteur Strange. Ah. Allez, trouve-toi un siège, Batman. Mais ils sont tous cassés. Le spectacle va bientôt commencer. Justement, parlons-en. Alors maintenant, tu veux parler? Trop tard, Batman. Donne-moi l'antidote. Mais tu as déjà pris l'antidote. Talia, non! On est dans problème la merde. Résolu. On est dans la merde. Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Tu ne l'aurais jamais fait. Tu ne m'as pas laissé le choix. Talia, on a toujours le choix. Je devais te sauver. Non. Harley Quinn l'avait volé pour lui. Je l'ai récupéré. Faut pas qu'elle le casse, hein. C'est fini. Surprise! Tous les bons moments ont passé avec le Joker. Monsieur J, vous êtes parfait. Drey, comment faire pour cacher un secret au plus grand détective du monde? Ah, alors tu as deviné, il suffit de le lui mettre sous le nez, juste sous son long nez pointu, et d'attendre. Ouais, le Joker fait croire à tout le monde qu'il est malade. Et bam, surprise! Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman. Talia! Je suis désolé, mon ange. Je ne savais pas. Encore! Encore! Bravo! Ça n'a jamais été toi. Pas toujours. Enfin, parfois. C'est troublant, tu ne trouves pas? Moi aussi, si j'étais à ta place, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Disons juste que dans des moments pareils, il est important de sauver... les apparences. Mais avant ça, si tu veux bien me rendre service, donne-moi... l'antidote. Elle est morte. Mesdames et messieurs, pour une seule et unique soirée, en remplacement de votre humble serviteur, et fin prêt à vous en mettre plein la vue, merci d'accueillir Galdafu. Lui, ça me dit quelque chose, lui. Tu n'étais pas censé être là, Carlo. Pourquoi as-tu aidé le Joker? C'est simple! C'était le rôle de ma vie! Ah! Moi, j'aimerais bien l'antidote, moi, en fait. Une dernière chance. Oh, souris un peu, Batou! Le grand final vient juste de commencer. Et il est génial! C'est parti! C'est... Ah, ça lui enlève de la vie, ça. Aïe. C'est comme une boule de flipper. Ah non. On l'a jamais vu du jeu, mais d'un coup il sort et c'est le boss final, quoi. Bon, c'est pas le boss final. Qu'est-ce que vous faites? C'est de la triche! Qu'est-ce que tu trafiques, Batman? Ah mais il avait mangé l'antidote. Vous êtes censé tuer Batman, d'accord? Yeah.
Putain, mais je suis un gros caca. Je me laisse m'écraser, quoi. Là. Aïe. Ça très charlie, ça, non. Ah, putain. Ah merde, en fait faut pas que je plonge, je pensais comme ça. Ah, je regardais le chat, c'est pas bien. Ah si, c'est bien de regarder le chat. Méthode circonstance pour. Putain, à chaque fois je fais le plongeon, alors faut pas. Restez pas figé comme ça! Par contre, s'il y a une troisième phase, on est dans la merde, hein, je vous le dis. Il va me faire rater ma séance ou spa? Enfin, c'est pas comme si tu avais encore une fille à sauver, pas vrai? Ma fille, t'as l'enculé. Je suis désolé, trop tôt. Oh merde. Un changement de décor serait peut-être souhaitable. Oula merde. C'est genre l'épée va se planter dans. Oh, juste à côté ça. Par contre j'ai plus de vie. Hein. Donc ça va être compliqué quoi. Ah ouais mais non. Merde. Mais bâtard! En fait, faudrait peut-être que je. Oh, mais je suis crevé là. Mais contre! Oh, je contre, hein. Mais putain. Bon. Ça sera pas pour ce coup-ci. En fait, je vais faire que contrer. Debout, Batman. Eh, ça n'a pas l'air d'aller. J'en fais tout ou pas? J'en fais tout, ça va être chiant. Bon, la même en mieux, du coup. Mais, pense bien. Je fais de la merde. On fout. On a coupé, là, j'ai toute ma vie cette fois. J'en chie quoi. C'est n'importe quoi, il n'y a aucune stratégie dans ce combat, c'est juste spammer les grenades comme un gros débile. Par contre là je vais l'avoir dans le cul si c'est pas la dernière phase quoi.
Ah. Techniquement, un mec d'argile comme ça, tu peux jamais le tuer. Bon. Moi j'aurais tout vu. Hors de mon chemin, Batman. J'ai rendez-vous avec l'immortalité. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore son bassin de merde là. Il va rater. Putain. Ouais. Non, non, non. Ah, il va tomber dedans, non? Ah. Ah, c'est pas con. Par contre, l'homme d'argile, il va peut-être être invincible du coup. Ça, ça serait chiant. Vite, l'antidote. Ah, oh, mais qu'est-ce que tu attends? Allez. J'ai tué ta petite copine, empoisonné Gotham et bon sang, c'est même pas encore l'heure du petit-déj. Mais peu importe. Oh, c'est tous pertinemment que tu me sauveras. Chaque décision que tu prends entraîne la mort et la souffrance. Des gens meurent. Je t'arrête. Et tu t'évades et tu recommences encore. On l'appelle ça le comic de rétention. Quel con. Je viens de ruiner ses chances là. J'espère que tu es content maintenant. Tu veux entendre quelque chose de drôle ? Même après tout ce que tu as fait, je t'aurais sauvé. Oh, ma foi. Oh, les fesses. Vraiment. À mourir de rire. Il est pas bien, alors. En souriant, moi. J'ai pas tout perdu. C'est un fou, en fait. J'ai jamais été malade. Mort. C'est triste quoi, le plus grand méchant il est mort. Ah non, c'est bien en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Batman, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est décédé de la maladie. Il est décédé de la maladie d'amour, voilà. Ça se finit comme ça. D'accord.